Ouh putain toi. Voilà, nickel. Et le voilà le boss de fin de niveau. Voilà, facile, easy. Maintenant le boss à proprement parler, si je me rappelle bien. Un peu encore, c'est plus loin. Bon, tu me diras là, c'est avec. En plus, elle dure ultra longtemps cette arme. Ah putain, il y a l'autre avec. Ok, c'est bon, tranquille, peinard. Non. Putain, le fusil, je l'ai vu trop tard. Alors, c'est quoi le problème? Je vous écoute, messieurs. Ouais, donc finalement, Squig et McCoddle, vous avez rien raté parce que la semaine dernière. Là, le boss final. J'ai battu l'ours et puis derrière, je suis arrivé là, mais là, du coup, j'ai dû recommencer. Vous allez voir qu'il est relativement simple à tuer, peut-être encore plus simple que tous les autres boss. Enfin, celui-là, je parle. Parce que le trou last boss, il est beaucoup plus compliqué. Hop, dégagez les chiens. Putain, dégage le chien. Ah, le chien. Ah, putain, bordel. Non, putain, c'est foutu. Je suis mort. En fait, comment battre ce boss? Tout simplement, il va monter à l'échelle à chaque fois, il suffit de le faire tomber. Et je crois qu'il faut le faire tomber 3 ou 4 fois. C'est tout. Une fois que vous avez fait ça, le boss est mort. Mais après ouais, s'il arrive à monter, c'est fini pour vous.
C'est ça, ouais, le plus chiant, c'est les gardes. C'est pour ça que j'essaye de mettre en bas pour pas qu'il... Et là, normalement, quand tu dis ça, c'est la dernière fois. Ah non, toujours pas. Merde. Il y a peut-être encore une après. Voilà, c'est bon. Nickel. Ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, le boss final du... Enfin, le boss du niveau 8 est mort. N'empêche, j'adore les mecs, comment... Non, non, j'ai pas chaud, non, c'est juste à mon avis toute la lumière qui me donne une couleur rouge. J'adore, n'empêche, comment le mec, une fois qu'il a balancé tous ses gardes, il veut trouver un terrain d'entente. Et donc le voilà le trou là, ce boss. Mais j'étais persuadé qu'on butait l'autre. Et vous allez voir que si l'autre était simple, lui... Il a 40 000 phases. Et je sais comment ça se passe, je suis arrivé à son troisième, à sa troisième phase, donc... Mais c'est vrai que la première, quand on sait ce qu'il faut faire, elle est simple. La deuxième, ça devient beaucoup plus complexe. Et la troisième, bah, je vous en parle même pas. Mais là, la première, au départ, j'ai pas compris que c'est ça qu'il fallait faire. Sachant qu'on peut tirer à droite ou à gauche. La hitbox est la même. Bon, allez, les Google, hein. Ah, putain, bordel. Non, putain, bordel. Si je dise que la première phase est facile pour mourir dessus. C'est une blague. Et voilà, première phase finie. Ah putain, bordel. Sachant que la deuxième phase, vous l'avez peut-être compris. Enfin, je dis ça, il y a même 4 phases en fait sur ce boss.
Et dégage. Deuxième phase, c'est bon. Et comme vous voyez, ma vie est déjà très très basse. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de nécro. Ah merde, il m'a empoisonné. Ah bordel! Pour info, quand il saute, il faut que je saute aussi parce que sinon il m'atterre. C'est pour ça que vous me voyez sauter. Ah putain, c'est. Mais c'est pas la pire des phases! La pire des phases, elle arrive après évidemment! Ah là, maintenant! C'est maintenant qu'elle est la plus drôle, la phase! Quand ils sont deux! Parce que bon, avant c'est pas drôle sinon s'il est tout seul. Voilà, putain, ta mère. Putain, mais laisse-moi me relever. Putain. Bordel. Non, putain. Ah mais va te faire enculer, putain. J'ai même pas eu le temps de bouger, là, il m'avait bloqué dans un coin, je pouvais plus bouger. Putain. Mais donc voilà, vous avez vu jusqu'où j'avais été l'autre fois. L'autre fois, j'avais été jusque là. Et évidemment, voilà, ouais, ce que je vous ai pas précisé, quand on meurt, on refait toutes les phases, évidemment. Ah, parce qu'il faut pas déconner. Toi, va te faire enculer. Toi aussi. Ah putain. Et j'ai déjà flingué la moitié de ma vie. Ah putain. Va te faire enculer, putain. Par contre, ils font...